Oui, parler de sororité, mais en fait, la sororité s'arrête là où commence la compétition, tout simplement. C'est vraiment ça le résumé. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi les femmes n'en parlent pas, en fait. Pourquoi c'est un non-sujet absolu. Un des trucs, enfin, je veux dire, c'est quand même... Il y a énormément d'articles sur Mademoiselle et compagnie qui parlent de tout ça, tu vois, des relations hommes-femmes, etc. Pourquoi à aucun moment... Enfin, je me rappelle pas avoir vu une féministe parler du concept. En fait, peut-être qu'on est en compétition pour les meilleurs hommes, par exemple. Tu vois, on en revient quelque part à une question qui est peut-être encore plus fondamentale, c'est est-ce que le féminisme se bat vraiment pour aider chacune des femmes individuellement, tu vois ? Ou est-ce que c'est juste une logique de groupe, un petit peu grégaire, et en fait, on est prête, en tant que féministe, à sacrifier quelques femmes... sur l'autel du bien commun, tu vois, de la même manière que dans une logique un peu léniniste, tu considères que c'est pas grave s'il y a des milliers de prolétaires qui meurent, parce que c'est grâce à leur sacrifice qu'il va y avoir une révolution qui va advenir, et que, etc., tu vois. Bonjour Amélie. Bonjour Moss. Merci d'avoir proposé pour ce podcast un sujet qui est assez souvent dans l'actualité ces derniers temps et qui est beaucoup dans le vocabulaire qu'on entend dans les médias, à savoir la sororité. Et peut-être pour commencer cette discussion, je voudrais qu'on se définisse ensemble ce qu'on entend par sororité et en quoi c'est quelque chose qui est nouveau, en quoi c'est quelque chose qui est spécifiquement féministe éventuellement. Ou bien est-ce que c'est un truc qui a toujours existé ? Toi, comment tu perçois ce concept de sororité et comment tu l'interfaces avec une démarche féministe, par exemple ? Alors, waouh, beaucoup de questions. J'ai l'impression que tu as posé toutes les questions de pourquoi. Commence par ce qui te plaît, vas-y. En gros, pourquoi je voulais parler de ce sujet, c'est parce que j'avais l'impression qu'on a commencé avec ce mot sororité, pour moi, la sororité, avant de s'appeler comme ça, c'était simplement la solidarité féminine. Donc, si tu veux, le fait que ça revienne comme ça, de manière un petit peu presque politique, avec ce mot, j'ai trouvé ça un peu étrange, parce que, bien sûr, il y a toujours quelque part eu cette solidarité féminine quand l'une d'entre nous était dans la merde pour une raison ou une autre. Maintenant... de mon expérience personnelle avec les femmes, j'ai pas l'impression que la sororité, ça soit vraiment un vrai truc. Enfin, je sais pas comment dire, mais y a beaucoup de compétition entre les femmes. Et j'ai toujours eu un petit problème, en fait, avec ce terme sororité. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on en discute un petit peu aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à démêler, et beaucoup de choses que peut-être... les féministes n'ont pas forcément... elles l'ont pressenti, mais elles l'ont pas forcément mis avec des mots. Donc voilà, je voulais qu'on mette à plat un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce terme. Déjà, peut-être pour commencer, tu vois, quand on avait un peu préparé ce thème, on a regardé un petit peu ce qui avait déjà été fait sur la question de la sororité. Moi, une des impressions que j'ai eues, c'est que c'était pas très clair... si c'était une sorte de sentiment général, de DIY, de la vie de tous les jours, de trucs à faire. J'ai eu l'impression quelque part que c'était un terme fourre-tout, ouais, où on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait, et que le but c'était quelque part juste de se dire qu'on avait été solidaire avec d'autres femmes. Tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un manuel clair de sororité, en fait. C'est quoi devenir une femme qui a de la sororité ? Ouais, ben c'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui, hein. C'est exactement pour ça. C'est encore un de ces termes flous valises que les féministes utilisent un petit peu à leur sauce quand ça les arrange. Et je pense que c'est très important donc de remettre les choses au clair. Ce que je pense que les féministes entendent aujourd'hui par sororité, donc il y a plusieurs... j'ai vu plusieurs définitions. Une des premières qu'on m'a dit, c'était le fait de se retrouver entre femmes, tu vois, d'avoir ces moments où on peut parler de sujets typiquement féminins, entre femmes, en club réduit.
et que apparemment il y a plein de féministes qui ont justement retrouvé une sorte de communauté et une sorte d'endroit où elles pouvaient se livrer honnêtement dans ces espèces de clubs. Alors moi, ce que j'ai croisé, c'est des genres de clubs de sorcières, tu vois, où elles sont là, elles parlent d'ésotérisme, de tarot, de machin comme ça. Je sais qu'il y en a aussi pour les femmes battues, pour, tu vois, il y a cette espèce de reconstruction, justement, de girls club. Ouais, d'espace féminin, en fait. Ouais, c'est ça, d'espace féminin. Et pourquoi je dis reconstruction? Parce que en réalité, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours eu des espaces féminins. Pour être un petit peu caricatural, la cuisine, tu vois, mais en vrai, j'ai l'impression qu'il y avait toujours les hommes qui partaient à la pêche et les femmes qui se calaient au soleil en brodant et en racontant leurs histoires, quoi. Ou qui allaient faire des sorties shopping. Il y a mille manières de... Bien sûr, il y a toujours eu, en fait, des espaces féminins. Et j'ai l'impression que, bon, c'est encore un peu ces nouveaux mots qu'elle présente, enfin qu'elle rebrande comme des trucs trop avant-gardistes et trop machin, alors qu'en fait on essaye juste de re-récupérer les dégâts qu'a fait le féminisme égalitaire, en fait, où il disait que les hommes et les femmes c'est la même chose. Et donc là on est juste passé dans l'ère où on essaye de recréer en fait ces espaces qui finalement nous sont quelque part un peu vitales, quoi. Donc pour moi, il y avait un premier truc. En gros, c'est pour toi, une des définitions de la sororité, c'est le fait que ce soit un espace féminin. Voilà, c'est ça. Okay. Un safe space, comme on pourrait dire, fait entièrement féminin, où tu peux parler des sujets typiquement féminins, etc. Rigoler de trucs un petit peu que seules les femmes doivent entendre. Et ensuite, la sororité, il y a aussi ce côté aider une femme quand elle est dans la merde. Donc ça peut être il y a un truc qui est très populaire en ce moment, c'est les filles qui vont aider les filles qui se font agresser dans la rue ou des choses comme ça, tu sais, qui se font suivre par un mec ou qui sont en train d'avoir une interaction un petit peu awkward avec un disons prédateur sexuel, quel que soit son degré de dangerosité. Et donc il y a des filles comme ça qui se disent ok, la sororité c'est d'aller aider quand tu vois que t'as une de tes sœurs qui est en train de se faire bolosser, quoi. Et ça, je pense que t'as quelque chose, enfin en fait moi je trouve ça bien dans l'idée d'aller aider les femmes qui sont mais j'ai l'impression que c'est enfin ça a toujours existé en fait. Et hommes comme femmes, en fait, tu vois. Les hommes ont toujours été venus, enfin sont toujours venus et non, c'est pas français ce que je suis en train de dire. Si, les hommes ont toujours été secourables quand ils ont vu des femmes se faire, on va dire, agripper par des dragueurs un peu lourds ou des choses comme ça. Donc en fait, pour moi, c'est pas non plus nouveau, ça a pas non plus cette aura plus, je sais pas comment dire, peut-être que ça donne un petit peu plus de courage aux filles d'aller aider certaines femmes qui se font agresser, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que ça soit non plus groundbreaking, quoi. Que ça soit... C'est pas une innovation, oui. C'est clair. Moi, je trouve ça positif et bien. Hein, je trouve ça super bien. C'est pas mal. On a tous envie, quand on est dans une mauvaise situation, pour une raison X ou Y, d'avoir quelqu'un qui vient nous aider, nous tendre la main, etc. Exactement. Mais pour moi, c'est pas c'est pas spécifiquement une activité féminine à destination de femmes, en fait. Ou c'est pas spécialement politique non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est genre juste quand tu vois quelqu'un qui est dans la merde, ben tu vas l'aider, en fait. C'est un peu la base de la société, quoi. Enfin, c'est pas toujours comme ça que les gens font, mais en pratique, c'est un comportement que je trouve positif. Honorable et un peu, voilà, quoi, de savoir-vivre, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Ouais, ça serait est-ce qu'il y a une troisième... Pour moi, la troisième dimension, c'est un peu le côté utopiste rêveur de un sentiment universellement féminin qui coulerait dans toutes nos veines féminines et qui nous relierait tout entre nous, tu vois, ce ce truc un petit peu marxiste ensemble. Alors, si marxiste, on était tous unis, et franc-mac aussi, parce que j'avais fait une vidéo moi sur les loges maçonniques féminines et je suis désolé, les loges maçonniques féminines tartinent à longueur de page des trucs sur la sororité, parce qu'en fait la sororité
et pour les loges maçonniques féminines, l'équivalent de la fraternité des frères francs-maçons. Oui, en fait. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Donc c'est juste dans leur logique. Mmh. Et au passage, l'autre terme là, qu'on entend de temps en temps, adelphité, en fait, est utilisé dans les loges maçonniques mixtes. Parce que ça permet de regrouper à la fois la fraternité et la sororité. Mais c'est un vocabulaire de loge maçonnique à la base, hein, quand même. Okay. Enfin, je veux dire, je crois que c'est important de le signaler aussi aux gens, parce que ça fait partie des trucs, je pense qu'aucune féministe te le dira, soit parce qu'elle est elle-même dans une loge et qu'elle n'a pas envie de te le dire, soit parce qu'en fait, elle ne le sait pas et ça ne l'intéresse pas plus que ça. Okay. Mais c'est quand même pas complètement inintéressant de se dire que ça vient de loge maçonnique. Mmh. Et de la même manière que chez les hommes, la fraternité maçonnique, c'est un concept qui a une certaine validité, mais qui a aussi ses limites. Enfin, je suis désolé, la fraternité masculine, ça n'existe que jusqu'à un certain point. Enfin, quand il s'agit de donner un SDF, il y a beaucoup de la fraternité qui disparaît. Tu vois, je veux dire, il y a plein de situations pratiques où la fraternité, ça n'existe pas vraiment, en fait. Et ben, je pense que, quelque part, de la même manière, la sororité, c'est un peu, tu sais, le wishful thinking, le vœu pieux, tu vois, le côté on aimerait bien que ça se passe comme ça, le côté un peu utopiste, mais en même temps, en pratique, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, ce côté un peu quand c'est abstrait et lointain et que genre juste on se dit ah oui, moi j'aide toutes mes sœurs, machin, de loin et que finalement c'est flou, c'est vague et c'est juste une posture, là c'est bon, mais quand réellement dans la vraie vie, il faut aider concrètement les gens. Là, il y a un petit peu moins de sororité, c'est ça que tu veux dire ? Oui, en fait, quelque part, pour moi, la sororité, en gros, ça existe soit ça existe dans une logique un petit peu abstraite, parce qu'on est, sœurs avec la moitié de l'humanité, et on est toutes sœurs entre nous, etc. Et là, je pense que c'est un peu du côté utopiste. Soit ça existe de manière extrêmement concrète dans typiquement des loges maçonniques. Okay. Et là, tu es dans un truc beaucoup plus réduit parce que tu as 15 000 maçons en France et que quelque part, quand tu es sœur avec 15 000 maçons, en fait, la sororité à ce stade-là, elle est réelle, si tu veux. Elle est plus facile qu'avec 50% de la population. Bah ça, oui, c'est sûr. Non, et puis surtout, quelque part, elle se traduit en actes. C'est-à-dire que tu vas, je sais pas moi, tu vas filer un coup de main à une autre sœur de la loge qui essaye de monter un business, qui a besoin d'un réseau, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça va se traduire en actes et c'est beaucoup plus concret. Mais si tu veux, si tu oublies complètement cette grille de lecture franc-maçonne, je pense que tu rates une partie de la compréhension du terme sororité. Oui, en fait, c'est un petit peu ça, la troisième dimension, c'est vraiment le côté politique, en fait. Je pense que dans le concept de la sororité, que ce soit chez les francs-maçons ou même peut-être chez juste les femmes qui se réclament plutôt du marxisme et du communisme, il y a cette idée un petit peu que la sororité remplacerait quelque part un peu le prolétariat et que du coup, juste par le fait qu'on partage toutes le même sexe, bah, ça y est, on serait une entité unie. Et que je crois que c'est Tiff Endy qui avait dit quelque chose comme ça. J'avais écouté un truc où elle disait si toutes les femmes s'unissaient ensemble, on pourrait retourner le patriarcat, un truc comme ça. Donc c'est vraiment dans cette mentalité marxiste de si tous les prolétaires s'assemblent ensemble, on pourrait retourner la bourgeoisie, tu vois. Il y a vraiment cette même rhétorique politique. Oui, mais ça c'est depuis le départ, en fait. C'est déjà dans un texte de Engels, il est écrit que la femme est la prolétaire de l'homme, en fait. Ça sort pas de nulle part. Hein. Effectivement, dans la logique, au moins dans une certaine logique marxiste, pas forcément toute, mais il y a cette idée quelque part que un sexe écrase l'autre et que en fait il faut l'union de tout le sexe pour pouvoir lutter et faire une révolution quelque part contre le sexe dominant, etc. D'où la notion de sororité. Mais c'est là où on en arrive un peu à un problème, en fait, c'est que autant le prolétariat a un intérêt de classe qui est assez évident, qui est qu'en fait ce sont des gens qui sont dépossédés de moyens de production, qui en fait ont une force de travail mais qu'ils sont obligés de brader la mettre au service d'un appareil productif qu'ils ne possèdent même pas. Donc il y a un intérêt de classe évident à aller reconquérir du pouvoir chez les bourgeois, par exemple. Autant du côté féminin, sororité, on ne voit pas très bien quel intérêt de sexe il pourrait y avoir. Et en fait, à chaque fois qu'on essaye de
préciser un peu cet intérêt de sexe, ils se fracassent sur des tas de sous-catégories, parce qu'en fait, les femmes, c'est des femmes bourgeoises, des femmes prolétaires, des femmes jeunes, des femmes âgées, des femmes véganes, des femmes pas véganes. Enfin, tu vois, tu peux re-sous-catégoriser. Quelque part, les femmes font peuple de la même manière que les hommes font peuple, que du coup, tu as des catégories au sein de ce peuple, en fait. Mmh. Et donc, elles malheureusement... Pas, du coup, elles n'ont pas toutes les mêmes intérêts, et donc, il y a des fois où certaines femmes ne vont pas avoir les mêmes intérêts que d'autres femmes, et il peut ne pas y avoir du tout de sororité, voire même il peut y avoir des combats entre... C'est même pire que ça, c'est qu'il y a des femmes qui ont objectivement intérêt à ce que d'autres femmes restent soumises dans leur rôle, etc. Par exemple, tu prends les femmes bourgeoises, celles qui ont beaucoup d'argent, etc., sont très contentes d'avoir une femme de ménage, une nounou pour les enfants, une baby-sitteuse le soir quand elles vont sortir au théâtre, une femme qui va leur tenir la porte à l'entrée du théâtre, une femme qui va les servir au bar à l'entracte, etc., etc. Mm-hmm. Donc, ça paraît assez peu probable, quelque part, qu'elles se mettent à se battre contre une oppression des femmes, etc. En tout cas, si tu veux, s'il y a une bagarre contre l'oppression des femmes, ce sera que dans un certain aspect, en fait. Ouais. Et ça va forcément exclure certaines des dimensions de l'oppression, notamment la dimension travail et financière, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quel que soit le statut de cette femme dominante, c'est juste une bourgeoise, une aristocrate, si elle est femme d'un PDG, enfin, je ne sais pas exactement où elle en est, son intérêt de sexe va se fracasser sur d'autres intérêts qui peuvent être l'intérêt de classe, qui peuvent être même d'autres intérêts peut-être moins évidents, tu vois, un sentiment familial, une famille contre d'autres familles, tu vois, tu peux avoir un sentiment religieux, tu peux avoir plein de choses qui vont fragmenter cette convergence de l'intérêt. Et finalement, quelque part, et c'est un peu ça le problème, c'est que une fois que tu as dit toutes les femmes ont un intérêt commun, t'es obligé de dire lequel, en fait. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que qu'est-ce que tu as comme intérêt commun, si la spécificité féminine crée un intérêt, quel est cet intérêt? Et donc, en fait, tu es obligé de repartir à quelle est cette spécificité féminine. Ouais. À partir du moment, quelque part, où t'as dit on est égal dans le travail, on est égal dans la vie politique, on est égal dans les idées, dans le domaine sportif, dans le domaine intellectuel, dans plein de choses, en fait, tu grignotes petit à petit. Qu'est-ce qui reste au bout de tout ça? Le seul intérêt spécifiquement féminin, en fait, il a trait à la sexualité féminine, quasiment. Ouais. Et donc, c'est un peu faible, tu vois. Enfin, je veux dire, non seulement c'est un peu décevant, mais c'est un peu faible aussi. Tu peux pas construire une lutte au seul prétexte que... tu as un intérêt commun qui est que tu as envie de, je dis n'importe quoi, moi, de trouver des hommes qui sont plus beaux, de trouver des hommes qui te trouvent plus attirante. Enfin, tu vois, et pourtant, quelque part, cette espèce de, tu sais, ce canal féministe qui te dirige progressivement vers le côté objet sexuel, est-ce qu'on est hypersexualisé ou pas, est-ce qu'on a des standards de beauté irréalistes, toutes ces questions qui hantent les féministes, en fait, quelque part, ça fait partie des rares questions qui peuvent unir toutes les femmes. Ouais. Quelque part, par définition, tu vois, je veux dire, si tu considères que tu te différencies par ton sexe, qu'est-ce qui te réunit, c'est ton sexe. Voilà, exactement. Après, je pourrais nuancer en disant, bon, il n'y a pas non plus que le sexe, il y a aussi, par exemple, un petit peu tous les attraits qui sont dérivés, en fait, finalement, de notre sexuation. Par exemple, je pensais, comme ce que je disais tout à l'heure, la vulnérabilité, par exemple. Oui, ce qui est quelque part une des caractéristiques féminines, même connue depuis 1000 ans, tu vois. Je veux dire, physique. Quand on te dit, par exemple, le sexe fort et par opposition le sexe faible, enfin, tu vois, c'est une espèce de dichotomie, on revient un petit peu à ça. On cherche des caractéristiques féminines... et une certaine forme de vulnérabilité, ça en fait partie, tu vois, ça fait partie des éléments qui caractérisent. Et je pense, honnêtement, la plupart des cas où la sororité se manifeste pour de vrai, c'est justement dans ces cas où tu as des vulnérabilités qui sont assez manifestes. Et d'ailleurs, je pense que c'est des cas où, souvent, si ce n'était pas la sororité qu'il ferait, normalement, ce serait la galanterie qu'il ferait, tu vois. Ouais.
parce qu'on dirait, bah, vous voyez, cette femme, elle a du mal, je sais pas, je prends un exemple, elle a du mal à porter sa valise dans les marches du RER, et ben, il y a normalement un damoiseau un petit peu bien éduqué va lui dire, mademoiselle, est-ce que vous voulez que je vous porte votre valise, tu vois. Et bon, c'est comme ça que ça se passe en théorie, tu vois. Après, en pratique, est-ce qu'il y a encore des damoiseaux bien éduqués? Je sais pas, tu vois, c'est, on peut se poser la question. Grande question. Bon, je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est, je pense que ça, enfin, en fait, tout ce genre de truc, c'est pas spécifique vraiment à la sororité. Enfin, je veux dire, les hommes peuvent venir aider la femme comme une autre femme peut venir aider la femme. En fait, c'est juste, quand quelqu'un est en danger, c'est normal d'aller l'aider, tu vois. Ou quelqu'un est en difficulté, c'est normal d'aller l'aider. Oui, mais tu vois, par opposition à ça, c'est pour ça que je reviens peut-être sur le côté sexualité pure. Ouais. C'est qu'en fait, par opposition à ça, le côté sexualité est un lien beaucoup plus fort et pas forcément remplaçable, en fait. C'est-à-dire que, enfin, toutes les femmes qui voudraient absolument reconnaître le clitoris comme étant un truc hyper important, c'est un lien fort entre toutes les femmes, parce que là, pour le coup, si tu veux, il n'y a pas un substitut masculin, il n'y a pas des hommes qui vont spontanément se dire, tiens, faudrait faire un truc, aller militer pour le clitoris ou je sais pas quoi. Ça leur viendrait pas à l'esprit. Et donc, c'est là où quelque part ça marche assez bien côté féministe, c'est que finalement, une bourgeoise qui s'ennuie, une prolétaire, une femme au chômage, une femme au foyer, tout le monde peut se reconnaître un petit peu dans le les problèmes d'épilation, les problèmes de clitoris, les problèmes de perte, les problèmes de règles douloureuses, en fait tous les problèmes spécifiquement féminins d'un point de vue presque médical sont des problèmes qui peuvent parler à toutes les femmes. Ouais. Et le drame, c'est que c'est un peu les seules, en fait. C'est qu'une fois que tu as dit ça, si tu veux, une fois que t'as dit, tu as dit 50% de la population a cette spécificité que, en fait, elles ont un vagin, tu vois, on va exagérer un petit peu, mais c'est un peu ça. Bah, le problème, c'est que du coup, le seul point commun qu'elles ont, c'est d'avoir un vagin. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire ensemble en termes de militance? Elles peuvent travailler au respect et à l'adoration du clitoris, ça peut être une démarche, tu vois. Elles peuvent aller militer pour que les hommes s'occupent mieux de leur clitoris, hein, voilà, c'est plus ou moins la même chose. Et en fait, quelque part, ça s'arrête assez vite, parce que tu peux pas, chacune d'entre elles, par exemple, individuellement, voudrait trouver un homme parfait qui correspond à sa liste d'attente, etc. Le problème, c'est que, bah, en fait, des hommes parfaits, il n'y en a pas forcément un million sur la région Île-de-France, et que donc, quand toutes les féministes se mettent à militer ensemble, bah, il n'y en a pas suffisamment pour satisfaire tout le monde, en fait. Parce que chacune de ces femmes voudrait trouver un mec qui soit mieux que la moyenne. Et quand elle dit ça, en général, c'est vraiment, vraiment mieux que la moyenne, tu vois. Or, il n'y en a pas assez. Bon. Ouais. Et donc, quelque part, à ce moment-là, on arrive sur un autre problème, qui est que, ben, quand il y a des hommes qui s'introduisent dans ce monde, un petit peu, cette loge féminine peu large, et ben d'un seul coup, beaucoup des idéaux de la sororité s'effritent, voire même disparaissent. Et d'ailleurs, on a regardé une petite vidéo marrante, enfin, je vais oser cet adjectif, même si moi j'ai eu du mal à esquisser un sourire pendant 5 minutes de vidéo. Moi j'avais envie de pleurer, la dame, on aurait dit qu'elle était en train de pleurer. Donc, c'est une vidéo sur Simone Media. Ça s'appelle Comic Out. Ouais. Et c'est une petite vidéo sur la sororité. Je vous mettrai le lien. C'est censé être humoristique, si j'ai bien compris. Hein. En tout cas, c'était assez fascinant, parce que en fait, elle montrait l'exemple même d'un cas où justement la sororité s'effrite et part à volo, qui est le cas de compétition sexuelle, tout simplement, quand ton mec se retrouve face à une meuf un peu mignonne et que la meuf un peu mignonne te calcule pas du tout, et à côté de ça elle minaute devant ton mec, et donc là c'est la catastrophe, quoi. Et toi, quand tu t'énerves, ton mec il comprend pas, et voilà, bon, c'est en gros c'est le résumé. Et là, bizarrement, au moment où la meuf un peu mignonne se met à minauder, tu n'as pas envie d'être dans la sororité, tu vois. Voilà. Étonnamment. Et d'ailleurs, elle en parle vraiment méchamment de cette fille.
J'ai pas très bien compris c'était quoi sa conclusion en fait, parce que est-ce que c'est en mode oui les filles un peu jolies, est-ce que vous pouvez arrêter de draguer nos mecs, enfin j'en sais rien, j'ai pas très bien compris c'était quoi le enfin vraiment ce qu'elle voulait dire finalement sur la sororité, parce que pour moi elle était justement en train de décrire genre la raison même pour laquelle fondamentalement la sororité a ses limites, que sont du coup la compétition intrasexuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement la compétition intrasexuelle? En fait, c'est un concept du monde évopsy. C'est un peu le côté biologie, etc. Mm-hmm. De dire en fait qu'en théorie, tu as des mécanismes de compétition dans chacun des sexes pour se distinguer et être considéré comme étant un partenaire potentiel de qualité. Mmh. Par des individus de l'autre sexe. Et donc en fait, tu as une sorte de logique où chacun des sexes a sa compétition intrasexuelle. Mmh. Donc par les hommes, par exemple chez les hommes, ça va plutôt être le côté musculature, le côté je possède des choses, tu vois, genre j'ai de l'argent, j'ai un bon boulot, j'ai des choses comme ça. Mmh. Le côté féminin, ça va peut-être être plus le côté je suis mignonne, je suis élégante, intelligence sociale, j'ai de l'intelligence sociale, des choses comme ça. Ouais. Et quelque part, chacun à l'intérieur de chaque sexe, tu vas du coup avoir une sorte de compétition qui va se mettre en place, mmh. avec deux moteurs principaux. T'as un côté qui est le côté qualification. Donc c'est le côté je veux me distinguer des autres, mmh. donc je vais être plus ceci que les autres, mmh. je vais être spécialisé dans ce truc là et t'as un autre côté qui est le côté dénigrement, qui est l'autre moteur de la compétition, et là c'est le côté en fait je vais rabaisser les autres quand je peux pour essayer de montrer que je suis supérieur aux autres. C'est intéressant. Et donc là-dessus chez les hommes, ça va prendre, par exemple, la forme de potentiellement d'insultes, ou tu vois, peut être genre traiter un type de faible, dire que c'est un fragile. C'est tu vois, c'est ce que j'allais dire. Tout ce côté-là. Ouais, ouais. Chez les filles, c'est beaucoup plus indirect. Ouais. Souvent, ça passe par des rumeurs. Mm-hmm. Souvent, ça passe par des médisances. Il y a des papiers de recherche qui t'expliquent que ça peut passer par typiquement la mode. Genre, la mode est un instrument de disqualification d'autres meufs. Ouais, c'est-à-dire que moi, tu vois, je suis vachement au courant des tendances. Je connais, tu vois, je suis vraiment quelqu'un qui est impliqué dans la société, oui. et j'ai les codes, tu vois. Alors que cette meuf là-bas, regarde comme elle est sapée, elle a des trucs qui sont d'il y a trois saisons, elle connaît pas les vrais codes, etc. Mm-hmm. Le luxe est considéré comme étant un moyen d'accéder à une forme de qualification pour les femmes, et de disqualifier à l'inverse des filles qui n'ont pas des objets de luxe. Mm-hmm. Donc il y a un tas de mécanismes comme ça, en fait tous les trucs de globalement tous les trucs de gossip, tous les trucs un peu toxiques féminins en fait, ça vient de ces trucs là, c'est à dire que les copines complètement qui lancent des rumeurs, qui cassent les pieds au lycée parce que y a Brandon qui joue au rugby qui se pointe et que toutes les filles sont toutes émoustillées par Brandon et qu'elles décident de... Tu vois ce côté un peu presque teenage movie américain. Avec les cool kids et puis... ça sort pas de nulle part, voilà, c'est bon. Et en fait, le truc, c'est que plus, on va dire, tu es validé par les femmes et plus t'es haut dans cette hiérarchie-là, et moi, ce que j'ai la sensation, c'est qu'en fait, les filles hiérarchisent dans la hiérarchie, et ensuite les mecs arrivent dans ces hiérarchies là et prennent en général tu vois la fille qui est au top en fait, un peu naturellement. Genre j'ai l'impression que les filles se sélectionnent plus entre elles que les mecs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est clair ce que je... J'ai compris l'idée. Après je pense que c'est vrai que jusqu'à un certain point, en fait. Oui, c'est comme tout. Tu peux pas... Parce que tu as des... Si t'es vraiment très très belle, tu vas pas pouvoir te retrouver en bas. Tu as des filles, tu sais, des filles très bien qui se retrouvent un peu martyrisées par toutes les copines qui sont jalouses. Et de temps en temps, il y a un mec qui se pointe et qui arrive et qui dit « Bon, les espèces d'hystériques jalouses, là, cassez-vous, je vais m'occuper de cette fille. » Non mais attends. Et là, elle redouble de jalousie, certes, mais... Non mais ça, c'est la narrative
basique des séries à l'eau de rose Netflix ou les trucs qu'on lisait quand on était petite. Genre, c'est vraiment genre, t'es la petite meuf bien, mais en fait, t'es un diamant caché, personne le voit. Et là, il y a un mec qui arrive qui est trop beau, et en fait, il s'en fout des cool kids trop belles, trop populaires. Et il vient te voir et il voit le diamant qui brille en toi, et voilà, et comme. Et tu récupères ton statut de femme exceptionnelle grâce au beau gosse qui débarque et qui vient te repêcher, tu vois. Genre, please. Genre, c'est vraiment, c'est vraiment le truc basique. Après, ça se passe quand même pour de vrai, tu vois. De quoi ? C'est pas parce que c'est un... Dans la vraie vie, ça ne se passe pas. Non, dans la vraie vie, ça ne se passe pas. Je suis désolée, dans la vraie vie, ça ne se passe pas. C'est un fantasme. Les hommes ne sélectionnent que les meufs qui ont un statut social assez haut pour... c'est comme une belle voiture. Après, bon... J'exagère, enfin, je sais pas si la comparaison entre avoir une belle voiture et avoir une belle meuf, c'est la même chose, mais tu sais, c'est le même truc, genre... C'est toi qui l'as dit, hein, moi, c'est... Non, mais en fait, je l'entends pas dans le sens objet, je l'entends dans le sens plus quelque chose est voulu par les autres, tu sais, c'est un effet, tu sais... Mais c'est un effet qui est assez général, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, c'est mais pas... Mais je veux dire, c'est la même chose pour les hommes, c'est la même chose pour tout, en oui, fait. Oui, mais les du gens coup, c'est ce que je dis. Qui ont du succès attirent le succès, tu vois, il y a ce côté... Mais c'est exactement ça, et donc c'est pour ça que je te dis, dans la vraie vie... Ce genre de situation où le mec repêche la meuf qui a pas trop de succès, ça n'existe pas. Parce que justement, dans la vraie vie, les gens sont attirés par les choses que les autres veulent. Donc, en général, il y a les cool kids. Et donc, si les cool kids, elles sont désirées par la grande majorité des mecs, et ben, les mecs, automatiquement, ils seront attirés par ce genre de truc. Parce que ça serait socialement absolument trop bien d'être celui qui a été sélectionné par la Je pense qu'il y a quand même des niches où c'est moins vrai. Je dis pas que c'est d'accord. Moins vrai dans l'absolu, mais je pense qu'il y a des niches où c'est moins vrai. Ok, mais je pense que quand même, si on parle en termes de général, je pense quand même qu'on peut partir sur ce genre okay, de... Ok, si tu veux. Après, attends, pour revenir peut-être sur le côté sororité, le vrai souci de la sororité, c'est qu'il essaie de te faire oublier qu'il existe toute cette dimension compétitive, en fait. C'est pour oui, ça c'est qu'on ça. En a parlé au départ, oui. Et c'est ça le vrai problème, c'est que c'est pas parce que t'as une envie de sororité que forcément tu vas la trouver. Tout le reste ouais. Disparaît et qu'il n'y a plus le côté compétition, le côté de la même manière qu'au passage, tu peux dire liberté, égalité, fraternité, et quand t'as des connationaux qui sont dans la galère à l'étranger pour une raison ou une autre, bah, en fait t'en as rien à faire d'être fraternel avec eux ou quoi que ce soit, tu vois. T'es pas obligé de... C'est pas parce que t'as un idéal de fraternité que, en pratique, tu le mets en place à chaque fois, tu vois. Ouais. Et typiquement, la sororité, moi, je trouve que... alors, là où c'est encore plus violent, c'est que maintenant, quand tu considères que ce qui fonde quelque part la sororité, c'est justement des intérêts de sexe, ouais. Si tu as capté que de l'autre côté, quand même, il existait vaguement une sorte de compétition pour des raisons sexuelles, tu vois, c'est que, techniquement, des femmes... pour le dire rapidement, préfère sortir avec un beau gosse un peu à l'aise socialement, etc., plutôt qu'avec un nerd enfermé dans sa chambre qui est puceau à 35 ans. Bon, pour résumer un clairement. Peu grossièrement. Oui. Bah, une fois que tu as capté ça, le problème, c'est que si ce qui pourrait faire un intérêt commun à toutes les femmes, c'est de justement en avoir une revendication en termes de sexualité et que c'est précisément le terrain sur lequel il va y avoir des affrontements, tu comprends que la sororité, en fait, ça va jamais se mettre en place que dans des trucs un peu secondaires et pas sur les trucs qui sont vraiment importants, en fait, parce que tu ne peux pas revendiquer, c'est pas parce que tu descends à 500 000 dans la rue en manifestant on veut des beaux mecs, on veut des beaux mecs, que tu vas avoir des beaux mecs qui vont être décrétés par l'État et qui vont être envoyés dans chaque foyer, tu vois, ça n'existe pas, ce concept-là n'existe pas. Mais d'ailleurs, je pense que les féministes, intuitivement, elles se sont déjà un petit peu rendues compte, puisque, en fait, quand tu les entends, de plus en plus, il y a cette idée de lesbianisme politique, de, en fait, le monde, il serait mieux si on n'était que des femmes, tu vois, il y a un truc un petit peu... Bon, ce que je comprends pas par contre, c'est que du coup, si tu deviens lesbienne, en fait, la compétition intrasexuelle, elle est toujours là, mais en plus, enfin, tu vois, si tu... En fait, elles ont capté... Non, je pense que si tu veux, celles qui te disent ça, c'est des femmes qui sont
au tout début de leurs expériences lesbiennes, si on devait caricaturer. En gros, elles ont capté que quand un homme rentrait dans une pièce, ça la sororité changeait un petit peu, voire disparaissait totalement, en fonction de la beauté de cet homme. Mais tu prends des études littéraires où tu as 95% de femmes, j'exagère peut-être un peu, mais tu as clairement beaucoup plus de femmes que d'hommes. Tu prends une salle de classe, tu as un homme qui rentre dans la salle de classe, tout de suite tu sens bien que la sororité a disparu. En fait. Le concept s'est arrêté à ce moment-là. Bon, le problème, c'est que en fait, si elles allaient jusqu'au bout de l'expérience lesbienne, elles se rendraient compte qu'il y a aussi une compétition intrasexuelle entre femmes, bien sûr, pour avoir récupérer les jolies lesbiennes ceci ou cela, ou au contraire les jolies butch qui sont à fond dans un autre archétype. Mais le truc, c'est que en fait, souvent, je pense, c'est des filles qui sont un peu en transition entre les deux, qui ont quelques expériences vite fait, mais qui n'ont pas encore compris à quel point c'était une sorte de micro panier de crabe parisien, où en fait, elles allaient passer de une fille à une autre, jusqu'au moment où en fait, elles allaient réaliser que toutes les filles se connaissaient entre elles. Et que, en fait, c'était un tout petit monde, tu vois. Et que du coup, ça allait être encore plus toxique que le fait d'avoir un homme qui rentre dans la salle, en fait. Déjà, je suis contente qu'on ait clarifié un petit peu ce truc de compétition intrasexuelle, parce que c'est bizarre, je comprends pas pourquoi les femmes n'en parlent pas, en fait. Pourquoi c'est un non-sujet absolu? Pourquoi, d'après toi, on passe sous silence, on parle de sororité, et finalement... Un des trucs, enfin, je veux dire, c'est quand même... Il y a énormément d'articles sur Mademoiselle et compagnie qui parlent de tout ça, tu vois, des relations hommes-femmes, etc. Pourquoi, à aucun moment... Enfin, je me rappelle pas avoir vu une féministe parler du concept. En fait, peut-être qu'on est en compétition pour les meilleurs hommes, par exemple. Bah, c'est logique. Parce que c'est ce qui nous sépare. Et que le féminisme, il a... Non. C'est pourquoi, alors? À partir du moment où tu admets... qu'il existe une compétition intrasexuelle, tu admets que tu te replaces dans une perspective où c'est le regard masculin qui décide de ce qui fait ta valeur et de qui tu es et de tout ça. Et donc, dans une logique féministe absolue, on va dire, enfin, un petit peu, en tout cas, pas une logique féministe qui est juste là pour dire « je comprends pas, il a eu deux portions de frites à la cantine, moi je voudrais deux portions aussi », tu vois, le féminisme un peu plus genre qui veut refonder les rôles de genre et tout ça. C'est logique de dire, moi, j'ai pas envie de me définir par rapport au regard masculin. C'est logique. Oui, c'est vrai. Et donc, la conséquence de ça, c'est que tu vas pas parler des éléments qui font que tu te positionnes par rapport au regard masculin. Ok, c'est logique dit comme ça, effectivement. Mais pourquoi ça me paraît tellement évident, genre, je sais pas, c'est un des premiers trucs. Mais c'est peut-être. Mais par contre, c'est un peu un mensonge, si tu veux. Enfin, c'est un mensonge par omission, tu vois, de pas le dire aux filles. C'est exactement ce que je dis, c'est clairement un mensonge par omission, et c'est pour ça que, si tu veux, moi, je présume toujours la bonne foi des gens, tu vois. Donc j'étais vraiment en mode, mais attends, c'est bizarre, ça me paraît tellement évident de l'évoquer. Pourquoi en fait on n'en parle pas du tout, tu vois, parce qu'en plus c'est un terrain gigantesque, en fait il y a plein de trucs à dire, là on va pouvoir partir un petit peu plus en profondeur sur la compétition intrinsexuelle, si tu veux, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et je trouve ça étonnant en fait que le sujet n'ait pas été abordé. Ça fait partie des non-pensées du féminisme, si tu veux, c'est que personne n'a envie de le penser comme ça. Et surtout dans une logique de sororité, en fait, parce que si tu commences à dire on est sœurs, mais jusqu'au moment où en fait, quelque part, si tu veux, elles veulent bien faire de la sororité, mais en fait la sororité en pratique elle n'existe que tant que ça coûte pas cher, tu vois. Tant que c'est dépanner une fille un peu bourrée d'un ticket de métro ou d'une cigarette, c'est de la sororité, tu vois. Et ça coûte pas cher, en fait. Dès que ça commence à coûter vraiment cher, la sororité, ça disparaît. Dès que y a en jeu la question de, je reprends l'exemple de la fille qui faisait du stand-up, typiquement dès qu'il y a son mec en jeu, la sororité ça n'existe plus, en fait. C'est clair. Dès qu'il y a des intérêts, même des intérêts de pouvoir, tu vois, des choses, parce que typiquement, tu as l'impression quand tu écoutes les féministes que au sein des entreprises, les femmes vont s'entraider entre elles, etc.
Et tu as un peu ce discours, en fait. Tu as des tas de réseaux de networking féminin, féministe, dans les entreprises. On t'explique que tu as des femmes qui vont faire du mentorat à d'autres femmes, des choses comme ça. Et je suis désolé, en fait, ce truc-là, ça n'existe que tant que c'est des grands discours lénifiants, plein de poncifs sur le fait que nous, les femmes, on a nos spécificités, mais tu vois, on a nos valeurs aussi, et on va mieux s'en sortir que les mecs, et machin. Et dès que ça commence à devenir vraiment concret, tu vois, du genre, il y a une promotion et il y a trois candidates, la sororité, ça n'existe plus, en fait. C'est genre, à ce moment-là, ça disparaît totalement. Oui, parce que du coup, il y a compétition. Et du voilà. Parce qu'il y a mais il y a un vrai intérêt objectif, tu vois. Tant que ça reste un discours un peu abstrait, ça passe. Dès que ça devient, ça s'ancre dans une réalité, tu vois, dans un, il y a un intérêt matériel, globalement, ça disparaît. Oui, après, en fait, c'est un peu logique, c'est un peu comme la fraternité, finalement. Enfin, je veux dire... Oui, mais enfin, je veux dire, la nature humaine est un peu commune aux deux sexes, quand même. En fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est juste... Oui, parler de sororité, mais en fait, la sororité s'arrête là où commence la compétition, tout simplement. C'est vraiment ça, le résumé. Donc, du coup, moi, je trouverais... Enfin, je veux dire, si les féministes étaient honnêtes, peut-être que si... en fait, peut-être que le concept de sororité serait plus profond et serait plus attrayant, tu vois, si justement il y avait une honnêteté et un truc un peu carte sur table où voilà, on expliquait voilà, là vous pouvez être soror, c'est comme ça qu'on fait, tu vois, genre c'est quand on crée des safe space pour les femmes par exemple ou des choses comme ça, mais voilà, vous attendez pas à ce que quand, dès qu'il y a une compétition qui arrive, vous attendez pas à ce que les femmes vous fassent des cadeaux. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que mieux t'es paré et mieux tu comprends les trucs, et plus tu peux mieux jouer avec et mieux les cadrer, entre guillemets, tu vois. Là, je pense qu'il y a eu... Oui, mais alors après, tu vois, on en revient quelque part à une question qui est peut-être encore plus fondamentale, c'est est-ce que le féminisme se bat vraiment pour aider chacune des femmes individuellement, tu vois. Ou est-ce que c'est juste une logique de groupe, un petit peu grégaire, et on... En fait, on est prête, en tant que féministe, à sacrifier quelques femmes sur l'autel du bien commun, tu vois, de la même manière que dans une logique un peu léniniste, tu considères que c'est pas grave s'il y a des milliers de prolétaires qui meurent, parce que c'est grâce à leur sacrifice qu'il va y avoir une révolution qui va advenir, et que, etc., tu vois. Wow. Ouais, c'est vrai, c'est un des trucs que me disait un peu Dora aussi, c'est genre, oui, bien sûr, il y a un prix au féminisme, mais voilà, on est prêt à le payer pour la révolution, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Bah, la question, c'est qui est prêt à le payer, en fait. Parce que tu vois, c'est facile quand tu es un peu à l'abri financièrement, que tu n'es pas trop mis en danger ou quoi que ce soit, de payer le prix. Enfin, de dire, il faut payer le prix, tu vois. Parce que c'est pas toi qui va le payer. Si tu es du côté de la fille qui va être sacrifiée sur l'autel de la cause, avec un grand C... je pense que tu es vachement moins prête à payer le prix, en fait. Et c'est un peu toute mon idée de croyance de luxe aussi. J'ai fait... au pire, je renverrai... je pense qu'il faut qu'on se recentre un peu, donc je mettrai le lien en description si ça intéresse les gens sur les croyances de luxe. Pour relancer un petit peu le truc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la sororité? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu pas mal le tour, en fait. Une fois que t'as expliqué la compétition intrasexuelle, le sujet s'épuise assez vite, en fait. Sur la sororité elle-même? En fait, c'est un sujet... regarde, même les vidéos qui existent, etc. Ouais, c'est... C'est un sujet qui est purement rhétorique. Les féministes, elles adorent, mais en même temps, si tu écoutes vraiment, en fait, c'est juste un objet de discours, tu vois. Ouais, c'est ça. On va parler de sororité, et quand tu commences à dire, voilà, mais en pratique, comment tu le fais, comment ça se met en place, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour créer de la sororité? Dès que ça devient concret, en fait, il n'y a plus personne. Et même beaucoup, elles t'en parlent, mais si tu veux, c'est totalement détaché d'une expérience, de quoi que ce soit, en fait. En fait, c'est exactement ça, c'est une croyance de luxe, tu sais, c'est un apparat, quoi. C'est un truc que tu mets, ah, je suis soror, regardez, moi, les femmes, nanana. Mais en fait, ça, concrètement, dans la vraie vie, ça a aucun... Enfin, ça n'a pas vraiment de matière, quoi, à exister. Alors moi, j'ai presque envie de rattacher ça à un autre truc que les féministes accusent parfois
les hommes de faire, c'est les féministes ont tendance à accuser les hommes d'enfermer les femmes dans un rôle de care, de soin. Ouais. C'est un sujet qu'on avait vaguement abordé, je crois, dans un autre podcast. Possible. Et en fait, quelque part, c'est là où c'est ironique, c'est que le fait de vouloir montrer que tu es dans une démarche de sororité, c'est un moyen de démontrer à la société et au reste du monde que tu es capable de prendre soin des autres et d'être dans une logique du care, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, mais bon. Oui, non, mais c'est juste pour pointer le fait que, en fait, c'est un... Il y a un petit côté ironique au fait que les féministes dénoncent d'un côté un truc qu'elles essayent en réalité de faire. Mmh, bien sûr. On n'est pas à une contradiction près, là. Oui, non, je l'avoue, on n'était pas à ça près. Mais oui, bien sûr. Évidemment. Après, ouais, il y a aussi ce truc qu'elle reproche aux hommes de faire des boys clubs dans lequel, soi-disant, ça parlerait de cul et ça parlerait de mal des femmes, etc. Et que donc, il faudrait... Même ça mixer. Discuterait de comment garder le pouvoir pour toujours. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, parce que, attention, oui, bien sûr, les boys clubs, ça parle le patriarcat. Se crée dans les boys clubs, faut le savoir. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, à côté, elle propose quand même de faire des girls clubs, tu vois. Mais moi, je pense que les girls clubs, c'est aussi important que les boys clubs. Et voilà, ah je pense que chaque... Enfin, c'est normal que chaque sexe ait besoin d'une respiration... Parce qu'il y a une forme de tension quand même. Tu vois, c'est aussi un des ressorts qui fait qu'il y a une attraction, c'est qu'il y a une tension. Ouais. Si l'autre sexe, sa fréquentation, t'était parfaitement indifférente, bah, tu ne ressentirais jamais de tension sexuelle, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, mais ça, c'est dans notre truc où... Tu es obligé, si tu as une tension, d'avoir un peu une soupape de décompression de l'autre côté pour dire, voilà, je vais passer un moment... avec des hommes qui vont peut-être, pour certains, me faire des compliments sur ma robe et me dire que je suis bien habillée aujourd'hui, oh là là. Et puis après, dire « Ah, mais ouf, il faut que j'évacue un peu, tu vois, donc je vais raconter à ma meilleure amie comment j'ai machin qui est venu me parler de ma robe et me dire que j'étais vraiment trop bien habillée, tu vois. » Ouais, ouais. Mais tu sais, ça fait partie un petit peu aussi de notre, de notre croyance. Moi, pour moi, c'est pas vraiment une croyance, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous sur ça, que l'attraction se fait par la différence, et donc les pôles féminins et masculins, et qu'en fait, on a chacun nos énergies un petit peu féminines et masculines qui s'attirent dans la différence, et donc des fois, t'as besoin... De te ressourcer un petit peu dans l'énergie masculine ou dans l'énergie féminine pour retoucher la base, tu vois, je sais pas comment dire. Tu sais, je le vois un petit peu comme quand tu touches... Mais même aussi, il y a des choses, honnêtement, même des... Enfin, tu vois, t'es pas obligé d'aller dans des trucs aussi complexes et éthérés, en fait, en pratique. Regarde, des mecs qui ont envie de faire du sport entre mecs, feraient pas le même sport s'ils étaient avec leur copine, par exemple. Oui, tu vois, c'est un truc aussi bête que ça. Ouais, ouais. Si tu as envie, si ton but c'est vraiment. Et puis même les intérêts sont pas les mêmes. Genre, tu vas C'est ça. Tu vas pas. Si toi t'as envie de faire de la couture, etc., tu vas pas te dire tiens, je prends mon mec par la main et je vais l'emmener au club broderie. Bon, il a le droit d'aimer la broderie. Hein. Je trouve ça très, très sympa, moi, la broderie. Mais après, si tu veux, c'est aussi pour des raisons d'intérêt. C'est pas juste une idée de ressourcer son énergie, ceci ou cela. C'est aussi, en pratique, il y a un intérêt pratique aussi. Ouais, ouais. C'est que tu as des centres d'intérêt communs, tu as des manières de réfléchir qui sont communes, tu as peut-être des perceptions du monde qui sont communes par certains aspects. Mm-hmm. Parce que, tu vois, ça fait partie des rares trucs que je peux concéder aux féministes, c'est qu'il existe potentiellement des perceptions du monde qui seraient peut-être plus féminines ou masculines. Mais... Et du coup, tu peux les partager dans des endroits où tu es effectivement dans un environnement avec des gens qui sont un peu semblables, etc. Et c'est là où d'ailleurs je comprends pas, moi, d'un point de vue bêtement rationnel, pourquoi les féministes peuvent dire d'un côté c'est génial d'être entre filles, et de l'autre elles voudraient interdire aux mecs de pouvoir être entre mecs. Oui, alors, pour moi ça n'a aucun sens. C'est ce que je te disais, c'est genre, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils font les mecs quand toi t'es entre filles, tu vois. Genre, il y a un petit côté un peu bon, pourquoi, bref. Il y a un autre truc que je voulais dire. Mais ça revient un petit peu au truc de la seule chose qui nous réunit finalement c'est le sexe. Et en fait à ce moment-là j'ai pensé, mais j'ai pas eu le temps de le dire, c'est toute la problématique des trans en fait. Ouais. C'est que je comprends la tempête qui est en train de se passer en ce moment dans le féminisme, parce que finalement si le seul truc qui nous réunissait c'était notre vulve, notre clitoris, et que maintenant n'importe quel homme peut venir et se prétendre...
aussi de notre clan. Enfin, c'est, ça casse complètement une grande partie, on va dire, de l'argumentaire et de tous les combats féministes, finalement. Si la seule chose qui nous rapproche, qui nous liait, finalement, c'était le sexe. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais tendance à te dire que c'est dans l'autre sens, en fait. Qui se transidentifient. C'est plus, tu vois, quelque part. Parce que t'as des féministes qui te diront, la seule chose qui nous réunit, c'est pas juste notre sexe, c'est aussi une certaine vision du monde, des valeurs, des choses comme ça. Mm-hmm. Si ce n'était que ça, la question des trans serait absolument anodine dans les débats féministes. Mm-hmm. Genre, t'as pas besoin d'avoir une vulve ou pas une vulve pour avoir des valeurs ouais, féminines, considérer qu'il faut plus de douceur dans le monde ou je sais pas quoi. Tu vois. Mais en réalité, tu observes bien qu'en pratique, les je sais pas combien de pourcents, mais c'est probablement entre 0,5 et 2% de trans qui existent en France de manière un peu revendiquée, ont une influence absolument majeure dans les rhétoriques féministes. Au point que, enfin, là on enregistre, il y a eu il y a quelques jours une tribune co-signée par Marguerite Stern et Dora Mouto suite à l'affaire du planning familial qui voulait parler des hommes enceints. Ouais. Et qui, en fait, du coup, on est revenu au stade où elles sont obligées d'expliquer que elles considèrent que des femmes, c'est des femelles adultes ouais, de la catégorie Homo sapiens. Tu vois, enfin, on en est quasiment revenu à ce stade-là. Ouais. Moi, ça me fait un peu rigoler parce que, en vrai, je veux dire, il n'y a que sur des forums incel que j'ai jamais vu des gens traiter des femmes de femelles adultes, tu vois, enfin, ce côté-là. Ça, c'est ce que disent les trans. Hein. Ils disent la communauté transactiviste, que ce soit des cis ou des trans, en gros, ils sont tous en mode oh là là, mais c'est hyper masculiniste et arriéré et horrible de traiter les femmes de femelles. Il y a plein de posts qui sont en mode je ne suis pas une femelle, en mode c'est un terme patriarcal. De toute façon, voilà, on sait bien que toutes les TERFs sont des fachos d'extrême droite. C'est bien connu. Elles se réfugient où elles peuvent, en fait. Parce que le problème, c'est qu'elles se font attaquer. Elles se font un peu attaquer partout, parce que d'un côté, elles sont féministes, et puis de l'autre, elles ne sont pas entièrement pour toute la problématique trans, qui du coup, pour moi, apporte vraiment... Enfin, moi, pour moi, les TERF, même si c'est, je pense, une insulte pour... mais plutôt les femellistes, plutôt comme elles aiment ça s'appeler... Je pense que c'est justement les anciennes féministes qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas qu'on leur prenne justement ce truc qui était... le truc qui nous réunit, c'est le sexe, tout simplement. Je pense qu'elles veulent pas lâcher... Parce qu'au final, du coup, la grande majorité des trucs... comment dire... Que disait ce féminisme, c'était tout le côté médical, finalement. Nos problématiques... médicales et biologiques, tout simplement, en fait. Enfin, mais après, tu vois, moi je te dirais que c'est encore quelque part, c'est pire que ça. La réalité, c'est que il y a une grande pensée à gauche, là, c'est la convergence des luttes. Oui, on en a parlé. Et le problème, c'est que la convergence des luttes, en réalité, c'est aussi un sacrifice des luttes. C'est-à-dire que tu ne peux pas mener toutes les luttes en simultané. En même temps. Et tu es obligé d'en sacrifier certaines si tu veux qu'il y ait une convergence. Ouais. Et je pense que tu as beaucoup de gens à gauche qui te diront que non, c'est pas vrai, tu peux quand même, etc. En fait, non. À un moment donné, t'es obligé de faire des choix et des arbitrages. T'es obligé de faire une hiérarchie, en fait, de quel est le plus important sur le moment, quoi. Au moins de... Enfin, si tu veux, en fait, tu peux pas mettre toutes les minorités ensemble et faire en sorte que tout se passe bien. Ouais. Enfin, y a des trucs qui sont objectivement en contradiction et en conflit, et tu n'arriveras jamais à les réunir. Ouais. Et je veux dire, c'est pas que le cas des trans et des féministes, par exemple. C'est aussi le cas, tu prends, tu as eu un long débat sur le féminisme et l'islam, par exemple. Ça a été un truc. Tu prendrais, soyons encore plus caricatural, les LGBT et l'islam. Oui. Il est assez évident que l'islam n'est pas forcément très accueillant des LGBT. Mm-hmm. Je ne discuterai pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais je pense que... Enfin, tu vois, clairement, tu rentres dans un truc où tu n'arriveras pas à faire en sorte que ces deux... Tu t'imagines pas un barbu muezzin marcher dans la,
dans la rue aux côtés d'un trans un peu déluré en disant convergence des luttes. Tu vois, c'est l'image, je ne vois pas comment elle serait possible en fait. Ouais, ouais. Et donc tu es obligé de sacrifier à un moment donné. Après, ça existe quand même un petit peu, tu vois. J'ai déjà croisé une femme voilée lesbienne, tu vois. Mais tu peux tout croiser. Ça existe. Je te dis juste que si tu veux, ça va être d'une manière un peu générale. Oui. Dès que tu commences à sortir de cas individuels, parce que tu as des individus, regarde de la même manière, côté trans et féminisme, mm-hmm. Tu prends Paul Preciado. Paul Preciado, je crois qu'il s'appelait Élise Preciado, je ne sais plus, avant de changer de sexe, est considéré comme étant un argumentateur féministe de premier plan, etc. Mais qui a changé de sexe et tout ça. Mm-hmm. Bon. Bah, techniquement, moi je peux t'en trouver des exemples de transféministes, tout ça, il n'y a aucun souci. Mmh. Mais malheureusement, quand tu regardes dans le détail, bah, en fait, Paul Preciado, alors je vais parler un peu crûment, mais Paul Preciado milite pour que l'anus soit considéré comme une vulve de substitution finalement. Donc, c'est son manifeste contrasexuel, je ne reviens pas dessus. Okay. C'est intense. Mais du coup. Si tu veux, ben en fait, le drame, c'est que tu as une logique et une manière de penser qui n'est pas uniquement celle de Paul Preciado. Hein. Tu prends Maya Mazorette, par certains aspects, Maya Mazorette mmh. est tout à fait dans la même logique, quelque mmh. part. Ouais. Parce que l'argument de Paul Preciado, c'est que, pour le dire vite, l'anus est le point commun entre tous les individus, quel que soit leur sexe, mmh. et que donc, si on voulait créer une sexualité vraiment inclusive, wow. On finirait tous par utiliser cet orifice plutôt que l'autre afin de parvenir à la jouissance. Bref. Paul, attends, c'est une femme ou c'est un homme ? À la base, c'est une femme espagnole qui est devenue un homme et qui est le mari, si on veut dire ça comme ça, de Virginie Despentes. Ah ! Voilà. Wow, c'est ok, pas... je savais pas le, ah bah, voilà. le petit potin. Ah, mais moi je raconte les ragots. Hein. bref. Ok, ok. Donc en fait, le truc, c'est que si tu veux, le souci, c'est bah, malheureusement, une fois que tu as considéré que c'était plus le clito, c'était un autre trou, ouais, en plus, quelque part, si tu veux, tu t'es forcément en train de privilégier une lutte sur l'autre. Tu ouais, vois. Ouais, c'est ça le souci, c'est ouais. que bah, y a des choses qui sont communes, je ouais. pense. Mais... y a des choses typiquement sur l'image de la femme. Là, je pense que tu peux trouver des intérêts convergents entre les trans et les féministes. Mm-hmm. Mais en fait, en réalité, quand tu arrives à des trucs un peu plus concrets, on va dire, ça disparaît. Et typiquement, tu vois, aux US, il y a eu beaucoup le débat sur la place des trans dans les sports. Ouais. Ça a été un vrai truc, parce qu'en fait, au moment où il faut gagner des médailles, c'est-à-dire au moment où il y a un vrai gros truc et que c'est compétitif, voilà. Ben là, en fait, la convergence des luttes, tout ça disparaît. Ouais. Et la réalité pratique, c'est que, ben, ouais. en fait... Un type, même s'il a pris des hormones, il a une musculature, il a un squelette, il a tout ce qu'il faut. Mm-hmm. Et bah, dans pas mal de compétitions, notamment en natation, c'est clair que tu vois arriver les compétitrices en natation, elles font en moyenne 1m70. Ouais. Et tu vois arriver un type qui fait 1m95, qui bon, a pris des hormones, tout ce que tu veux. Hein, mais ouais, mais tu vois, ne serait-ce que d'un point de vue bêtement mathématique, tu sens bien qu'il y en a un un de ses candidats, on va dire, qui a un peu plus de... Ergonomique, déjà. Voilà, qui peut aller chercher plus loin en termes de natation. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Bon. On va pas s'éterniser, je pense, sur la question de trans, mais je trouve que c'était intéressant quand même de rajouter ce petit truc à cet endroit-là. Mais du coup, c'est pour ça que ça gratouille en fait par rapport à cette notion, ouais. notamment de sororité. D'ailleurs, ouais, je serais curieux. Enfin, j'ai jamais entendu personnellement mm-hmm. de podcast ou de truc féministe expliquer clairement si elle considérait que des trans pouvaient s'intégrer ou pas dans la sororité. Bah, moi, j'écoute surtout des radicales féministes. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu l'impression que la question des trans avait été un peu écartée de la question sororité. Ouais. Ben, écoute, j'essaierai de demander, de voir. Bah, s'il y a des. Parce que si je voulais être taquin, par exemple, ouais. imagine, tu croises une fille dans la rue mm-hmm. Qui se fait embêter. Mm-hmm. Bah, et tu dis, ouais, mais attends, moi je vais faire de la sororité, etc. Est-ce que le simple fait de considérer que c'est une femme. Et de faire de la sororité parce que tu penses que c'est une femme, c'est pas déjà prendre le risque de la mégenrer, tu vois. C'est un peu taquin comme question. Ok, ok, mais tu oui, vois l'idée. C'est un peu tiré par les cheveux. Genre, oui, c'est un peu tiré par les d'accord, cheveux. D'accord, ok. De la mégenrer, genre en fait,
c'est une femme qui se genre comme un homme, toi tu penses que c'est une femme parce que tu la juges à son physique. D'accord. Mais qui es-tu pour décider que c'est une femme? D'accord, mais il faudrait déjà lui demander, tu vois, d'accord. Tu peux pas, en fait, la sororité ne peut que suivre le fait que tu saches que c'est une femme. Mon Dieu. Si je suis la logique. Elle ne peut pas précéder le fait que tu saches que c'est une femme. Waouh, c'est tordu. C'est tordu, je sais. J'adore les exemples un peu tordus comme ça. Ok, très bien. Est-ce que tu nous ferais pas une petite conclusion? Est-ce que tu as une idée de conclusion? Alors, une idée de conclusion. Bon, déjà, on peut peut-être rappeler un peu les grandes idées qui ont été évoquées. Ouais. On a expliqué que la sororité, c'était un terme un peu protéiforme qui pouvait représenter plusieurs choses différentes. Ça pouvait être une sorte d'état d'esprit un peu général, on va soutenir entre femmes, etc. Ça pouvait être le côté on reste entre femmes, girls club, enfin tout ça. Mm-hmm. Ça peut être une logique politique pure de... Ouais. Il faut qu'on se soutienne entre femmes, potentiellement même avec des accents... franc-maçon, voilà, c'est en tout cas une piste intéressante à aller creuser. Malheureusement, on est quand même arrivé à la conclusion que, en pratique, ça se fracassait assez vite sur des intérêts objectifs et concrets, donc soit des intérêts de type financier, ou professionnel, ou sportif, ou bien des intérêts même bêtement de compétition intrasexuelle, qui est un des plus gros arguments contre la sororité, c'est que en fait dès qu'il y a ce qui est censé réunir toutes ces femmes, le côté sexuel justement disparaît comme point de réunion au moment où il y a un intérêt et il faut se démarquer des autres femmes. Donc on peut pas vraiment se démarquer des autres tout en restant dans une sororité, c'est mutuellement incompatible. Et du coup, quelle conclusion on peut tirer de tout ça? Je sais pas, en fait, moi, quelque part, j'ai envie de dire, c'est beaucoup de bruit pour rien, tu vois. C'est un concept qui, techniquement, le côté charitable, le côté prendre soin des autres, etc., c'est un truc qui a toujours existé, qui devrait exister. Ça c'est mon côté, ma petite touche chrétienne, tu vois, la charité chrétienne, moi ça me parle. Après le problème c'est que souvent je pense ces femmes qui sont dans la sororité fantasment des femmes à aider très loin dans un monde un peu lointain, parallèle, etc. et vont se tirer dans les pattes dans la vie de tous les jours, tu vois. Et je veux dire, c'est typiquement la fille qui va t'expliquer sur des longs posts Twitter, sur Internet, que la sororité c'est trop bien, mais quand elle va rentrer chez elle et que sa mère va lui dire « Où est-ce que t'étais hier soir ?», elle va lui parler comme à une merde, en fait. Comme un chien. Donc, sororité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, ça serait un peu ma conclusion. Attends, répète, sororité ? Bien ordonnée. Tu sais, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais sororité bien ordonnée commence par soi-même, tu vois. Commençons par soi-même et par les proches. Ouais, et puis ensuite, on fera de la sororité avec des femmes de l'autre bout du monde. Ouais, j'aime beaucoup cette conclusion. C'est presque un peu pétersonien, tu vois. Ouais. Enfin, c'est plutôt Peterson qui a pris ça de la culture. Je pense que c'est dans l'autre sens que ça s'est produit. Oui, mais bon, tu vois bien que moi, c'est mon seul... C'est ton seul point de référence. C'est mon seul point de référence en ce qui concerne la chrétienté, donc voilà quoi. Très bien, écoute, merci beaucoup Moss, c'était assez intéressant, même si je pense qu'on a assez vite fait le tour, je trouve, par rapport aux autres sujets. On a parlé d'autres trucs aussi, c'était sympa. Oui, mais c'était vraiment intéressant, et voilà. J'espère que ça vous a mis un petit peu plus au clair sur ce concept de sororité. Et puis, merci donc d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci aussi à tous nos contributeurs qui ont participé à la campagne de dons et qui fait que ce podcast nous a été réalisable. Merci à tous, à très bientôt. À très bientôt.